Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un colis énorme, enfin énorme, énorme par rapport à ce qu'il y a dedans. Vous voyez, ce colis-là m'a été envoyé par un abonné, Matt31 Potiron, donc Mathieu. Et on va voir ça tout de suite après le générique. Et je pense que là, c'est du lourd. Avant de rentrer dans le vif du sujet et l'ouverture de ce colis, donc je rappelle que c'est un colis qui m'a été envoyé par Matt31 Potiron, donc Mathieu, je vous le mets juste là. Pour ceux qui se demandent qui est cet abonné, alors c'est un abonné qui est principalement passionné par la PS4, puisqu'il a plus de 300 jeux sur ce support. Donc si jamais vous voulez voir déjà à quoi ressemble Mathieu et un petit peu une vue de sa collection, je vous mets le lien dans l'espace description d'une chaîne qui est les sudistes Old Gen. Alors, vous voyez le bandeau correspondant à leur chaîne. Alors, ils n'ont pas énormément d'abonnés, ils ont 532 abonnés. D'habitude, je fais une comment ça s'appelle? Je conseille aux gens de s'abonner, mais la dernière vidéo qu'ils ont mis date d'il y a un an. Alors, j'espère que la chaîne n'est pas morte. Qui vont continuer à en faire, mais bon, si vous voulez voir tout ce qui concerne l'univers de la PlayStation 4, c'est sur cette chaîne-là. Donc il y a une trentaine de vidéos, il y a 34 vidéos dessus, et donc dedans, vous avez la vidéo qui correspond donc à la collection de Mathieu. Voilà. Donc Mathieu, on s'est contacté, c'est un abonné fidèle à la chaîne, et il commente souvent les vidéos. Bon, on s'est contacté, il m'a dit, bah, j'ai des choses pour toi. Et c'est donc le moment le plus gênant pour moi, hein, parce que quand on me fait des cadeaux, parce qu'on aime bien ce que je fais bah, sur YouTube, et ben c'est toujours un petit peu, vous savez ce que c'est, hein, c'est un petit peu gênant quand on vous offre des cadeaux comme ça, parce que ce colis est rempli de jeux PS4, dont la plupart sous blister. Voilà. Et donc c'est pour vous expliquer la gênance, hein, la gênance de mon côté, parce que. Ouais, mis à part faire des vidéos, je fais pas grand-chose. Oh, je sais que je vais passer un bon moment, hein, d'après ce que je lis, mais voilà, c'est ce colis-là est juste, c'est juste fou, c'est juste fou. Et il m'avait envoyé quelques photos en me disant bah, bon, il y aura ça dedans et tout. Et il me dit j'ai rajouté d'autres choses. Et il y a des titres, je les connais même pas. À savoir que Mathieu collectionne non seulement, mais joue. C'est un gros joueur sur la PS4. Tant en réseau que les modes histoire. Et franchement, c'est. Moi, je suis tout petit à côté. Hein, des jeux PS4, j'en ai pas fait beaucoup. Là, je suis toujours sur la série de Uncharted, donc ça remonte un peu. Je suis dans le 4, toujours. Et après, je voudrais faire Until Dawn, je voudrais faire plein de choses. Et là, c'est un truc de fou. Là, la collection PlayStation 4, elle va prendre une grande envolée. Donc, je suis toujours un petit peu gêné. Alors, vous allez me voir bugger sur certains jeux, ça c'est sûr et certain, parce que je ne les connais pas. Alors, il m'a dit qu'il y avait des jeux, ils sont tous jouables en français, mais il y a certains jeux qui ce sont des imports, alors des imports européens. C'est de l'extrapolation pure et simple. Le plus simple, hein, ça va être de l'ouvrir. Et on va faire ça ensemble. J'ai pas pris de couteau, j'ai pris une paire de ciseaux classique. Alors là, c'est vraiment le moment le plus important de la vidéo. C'est celui où on ouvre le paquet. Et là, je peux pas me rater parce que je fais ça qu'en one shot. Hein. Obligé hein, quand c'est un unboxing. Alors, il a super bien protégé. Allez. Il l'a envoyé par la poste. Non seulement il me fait le cadeau de tous les jeux qu'il y a dedans, mais il m'a fait aussi le cadeau de l'envoi, parce qu'il en a eu pour plus de 30 balles d'envoi. C'est pour vous dire la générosité du monsieur. Donc, hop. Alors, il m'a dit qu'il faisait des vidéos avant. Alors j'ai cherché sur YouTube, j'ai pas trouvé. J'espère que s'il fait des vidéos, alors, est-ce qu'il en fait ailleurs, des vidéos? Faudra que. Suivez bien les commentaires, parce que je pense que. Il en laissera un aussi à l'issue. Alors, c'est bien protégé, il y a du papier journal. Hein. Ah, du papier journal. Je vais ouvrir tout le côté. Il a mis masse de scotch. Hein.
masse de scotch avant que quelqu'un ouvre le colis. C'était un peu la mission, quoi. Voilà, alors là, ça y est. Là, le colis est maintenant ouvert. Alors pour l'instant, je vois rien de... Oh là là. Donc là, je vois qu'il y a des jeux et j'ai pas encore regardé. Alors, c'est gavé de jeux. C'est gavé de jeux. Excusez-moi, je profite, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, il y a de l'import. Ah, c'est bon. Ah, c'est excellent. Et là, je découvre des trucs. Bon, alors, ouais, allez, je vous montre ça vite fait. Donc, c'est vraiment, le carton est rempli de jeux. Et il y a des collectors. Oh, c'est fou. C'est fou. Allez, on commence. Je les prends au hasard. Je vais me faire un petit peu de place là. De façon à pouvoir les mettre bien. On va commencer par celui-là. Regardez. Je fais tout tomber, c'est pas grave. Donc Doom. Alors c'est The Classic Collection. Inclut Doom, Doom 2 et Doom 3. Classic Collection. Alors c'est une version anglaise apparemment. Ouais, c'est une version anglaise. Hein. C'est pas écrit en français derrière. Et c'est un limited run, donc oui, forcément, c'est un limited run. Je commence par une ouverture, c'est du limited run. Bon. Oh là là, mais c'est fou, c'est fou, c'est complètement fou. Allez, ça c'est le tout premier jeu. Oh là là, je suis pas bien là, je suis pas bien. Allez, on continue avec Evil Dead The Game. Vous voyez, c'est sous blister, c'est juste un truc de marteau. Lui, il est bien en FR. Oh là là. La mise à niveau PS5 disponible. Alors, c'est vraiment des jeux qui sont relativement récents quand même. Hein. Oh, c'est un truc de barge. Venez en prendre. Incarner Ash Williams et ses amis et savourer de l'action multijoueur intense PVP en coop. Combattez le mal au sein d'une équipe de 4 survivants et anéantissez les délites. Et les forces maléfiques, ou bien prenez le contrôle du puissant démon Kandarian dans ce jeu inspiré de l'univers d'Evil Dead. C'est un truc de timbré. Deux jeux, c'est déjà un truc de timbré. Je sais pas combien. Il m'avait dit qu'il y en avait une. Il m'a dit qu'il y en avait une vingtaine. J'ai l'impression qu'il y a bien plus que ça. Ça, celui-là. Foire. Lui c'est pareil, il n'est pas en français. Par contre, il y a un PEGI 16. Ah si, c'est un multilingue, dont le français. Il s'agit de Morbid the Seven Acolytes. Morbid les 7 Acolytes est un RPG d'action gore, matinée d'horreur punk et regorgeant d'horreur cosmique que ni Lovecraft ni Cronenberg ne renieraient. Ce qui en fait le Souls-like isométrique le plus macabre à ce jour. C'est juste insane. Moi, ces jeux-là, je vois les choses là. Il y a énormément de jeux que je ne connaissais pas sur la PS4. Et c'est des jeux que je ne vois jamais, surtout. C'est un truc de dingue. J'espère que mon téléphone ne va pas sonner parce que j'ai oublié de le foutre en silencieux. J'ai le cerveau qui fait comme ça. Donc regardez ça, c'est un truc de fou. Et ça c'est Still Running Merge. Voilà, au niveau des studios. Est-ce que je peux virer? Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Tac, voilà. Là, je l'ai mis en silencieux, on sera pas emmerdé si jamais ça sonne. Voilà. Je l'ai dit, hein, je fais tout en one shot. Hop. Je le recentre un petit peu par là. Voilà. Oh là là, ça c'est en VFR. C'est en VFR. Seven. Enhance Edition. Donc ça, c'est Fool's Theory et IMGN Pro. Voilà. Et donc le jeu là, chasser les profondeurs de l'Empire post-apocalyptique tyriel. Maître voleur se retrouve lui-même dans une situation inconfortable en direction de l'île prison de paix, PHE, PEH, pardon,
où tout le monde a de mauvaises intentions. RPG en 3D isométrique. Voilà. Et donc en français. Regardez. Moi, je sais pas si vous l'avez, si vous connaissez ces jeux. Moi, c'est la première fois que je les vois. En même temps que je dis ça, je regarde ce qu'il y a en dessous. C'est juste fou. C'est juste fou. Ah, ça c'est bon ça. Bon, allez, on continue. Il y a des trucs encore sous papier. Alors, là, c'est. Celui-là n'est pas sous blister. C'est un RPG aussi. C'est Arslan, The Warriors of Legend. Né prince, il deviendra un héros. Voilà. Basé sur le manga illustré de l'auteur de Fullmetal Alchemist. Par l'auteur de Fullmetal Alchemist. Regardez-moi ça. C'est juste fou. C'est juste fou. C'est neuf, ça a juste été déblisté. Tel que je le connais et passionné de PS4 qu'il est, il a dû le faire et bien le ranger. C'est quelqu'un qui prend tellement soin de ses affaires. Regardez-moi ça. C'est. Là, ma collection PS4 prend pas seulement de l'ampleur au niveau quantité, mais surtout qualité. Parce que c'est vrai que j'ai pas mal de tout venant, des trucs un peu classiques qu'on trouve partout. Mais là, c'est des jeux. C'est des jeux. Certains sont un peu plus faciles à trouver, certains sont juste. Moi, je les connaissais vraiment pas. Oh là là, mais il y a des trucs neufs, mais il y a des collectors neufs. On continue. Allez, là on passe sur. Ça c'est aussi en version FR. Il y a du FR dedans? Il y a du FR dedans. C'est multilingue en FR. Le Cat Quest et le Cat Quest 2 dans le même boîtier. Donc, Possum Pack. Alors, j'adore ce genre de jeu de mots là. PAW, c'est la patte. C'est Awesome, donc incroyable. Donc le Possum Pack. Donc. Le tout premier, le Cat Quest, pour ceux qui ne connaissent pas, dont moi, hein, voilà, je suis en train d'apprendre. Explorer un monde empli de chaventures, de boules de poils et de magie. Découvrez un RPG d'action en monde ouvert et partez à la recherche de votre sœur kidnappée. Et le Cat Quest 2, une nouvelle histoire dans le monde des chats et des chiens avec multijoueur local. Embarqué pour un fantastique voyage avec un RPG avec plus de sorts, d'armes et de butins, et restaurer la paix dans les royaumes. Voilà. Donc, si je le dis, c'est pas que j'ai traduit en direct, hein, c'est que vous voyez, la deuxième langue, c'est le français. Et ben, c'est pareil, ce jeu-là, j'en ai jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler. Alors, et je sais que la plupart vont rester sous blister parce que. J'ai déjà pas mal de jeux, j'ai déjà pas mal de jeux à faire qui sont déblistés. Et ceux-là vont rester sous blister. C'est fou. C'est fou. Alors le c'est fou, il va revenir souvent, hein, je pense. Alors ça, c'est très drôle. C'est très drôle parce que j'ai rentré il n'y a pas si longtemps que ça une version de ce jeu-là pour les jeux d'hiver. Et là, il m'envoie le Step, donc en édition Gold. Donc le X-Game, édition X-Game. Donc c'est pas le même jeu, mais c'est la même série, c'est Step. X-Game édition Gold, voilà. Rejoignez la course, volez la vedette. Oui, quand je vous dis que c'est sous blister, hein, c'est des blisters officiels, quoi. Ils ont vraiment tous les étiquettes. Sauf le Doom qui n'a pas l'étiquette PS4, puisque c'est un Limited Run. Donc ça, on va continuer avec un petit jeu de chez Mechroids. Ça c'est marrant, celui-là il doit pas. Je ne suis pas persuadé que ce jeu-là est super fonctionné. Il est pareil, il est sous blister. C'est l'Escape Game de Fort Boyard. Voilà. Donc il est en multilingue. Plus de 30 épreuves à relever. Donc c'est Escape Game Fort Boyard plus 2021 DLC. Donc il y a déjà les DLC inclus dedans.
Cette fois, il ne sera pas si facile de s'échapper du fort. Donc c'est Microïds qui... Ouais, c'est Microïds qui fait ça. Alors je sais pas ce que ça vaut. Généralement, ce genre de jeu, les jeux, que ce soit Fort Boyard ou Le Puy du Fou, comme on avait parlé une fois, je crois que c'était Coquerax, c'était pas super super. Mais je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça vaut, ce genre de petit jeu. Pour l'instant, il va rester sous le blister, hein, je vous le cache pas, dans la collection. Et ça, c'est juste magique. Alors j'en suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai déjà fait 8 jeux et le carton est encore rempli. C'est un truc de baiser. Excusez-moi de l'expression. Allez, on continue. Alors, ça, je suis super content, mais j'en ai pas un. Je le montre pas tout de suite parce que je veux juste vérifier que ça, celui-là, je l'ai pas. Je l'ai, je l'ai. Et il est déjà sous le blister, le mien. Et lui, il est déjà sous le blister. C'est exactement le même. C'est exactement le même, sauf que moi, alors, vous allez voir la différence de blister. La différence de blister, c'est que Mathieu donc m'envoie ça, Tales of Vesperia, donc en définitive édition. Et vous voyez qu'il y a bien le liseré PlayStation 4 dessus. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ça fait tout le tour. Voilà. Et ce jeu-là, il me semble que je l'avais récupéré en solde. Ça devait être chez Cultura sûrement. Vous voyez, ça c'est le mien. Et vous voyez, il n'y a pas de liseré dessus. Donc il est bien sous blister, hein, sous blister encore, mais c'est un reblister. Voilà. Ça c'est un jeu reblister. Et celui-là, eh ben, c'est mon jeu que m'a offert donc Mathieu. Donc il est sous blister. Donc du coup, celui-là, je le proposerai à l'échange. Je vais voir si Thierry l'a ou pas. Thierry de la salle de jeu de Péri. Voilà. Et ça, c'est excellent. Le Tales of préféré des fans est de retour. Voilà. Donc ça, c'est juste excellent. Celui-là, je le mets de côté pour le remettre dans la collection. Et comme ça, je pourrais le proposer à l'échange. Allez, on continue. Il y en a plein, 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 plein. Allez. Alors là, il y a un clin d'œil, ça me fait rigoler. Parce que je viens de rentrer, j'ai rentré sur un des derniers vide-greniers que j'ai présenté sur la chaîne. Sur 360, j'ai rentré un jeu. Je vais vous montrer, ça c'est le deuxième opus. Donc, il m'offre le Dead Rising 2. Donc, c'est juste excellent. Moi, je venais de rentrer le Dead Rising sur 360. Et ben là, je pourrais faire aussi le 2 sur la console. Alors, c'est pas un jeu français, vous voyez, il n'y a pas le PEGI. Il m'a dit que normalement il se joue aussi en français. 72 hours to kill, thousands of zombies. What would Chuck do? Voilà, donc c'est de l'anglais. Alors, je ne sais pas si c'est un apport US ou si c'est britannique. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous voyez, effectivement, quand il me dit ça, c'est que les avertissements en bas, donc de la jaquette, au dos de la jaquette, sont écrits en français. Voilà, vous voyez? Consulter les informations sur la santé et la sécurité dans le menu paramètres. Voilà. Donc, je suppose que ce jeu-là est jouable en français. Et ça, c'est excellent. Excellent. Alors là, il y a un import, un véritable import. Ah bah. Alors, je vais vous le présenter quand même. Alors ça me fait plaisir parce que des imports. Celui-là, il serait pas jouable en français quand même, celui-là. Parce que. Non, c'est OK. For Japan Only. Donc c'est un import japonais et c'est sur PS4 le Dead Rising. Ce Dead Rising là, voilà, il est For Japan Only. Donc que pour le Japon. Voilà. C'est un. Est-ce que Dead Rising, le 1, était sorti sur la PS4 en Europe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai maintenant une version japonaise import. Ça c'est cool parce que je vais pouvoir mettre de côté toutes mes versions import. C'est-à-dire que j'ai aussi la version de Pirate Warrior de One Piece sur PS3, donc en import japonais. Et j'ai d'autres imports, des imports américains, notamment le Warhawk, je crois, que j'avais aussi présenté sur la PS3. Donc voilà, ça c'est bon, c'est juste excellent. Alors évidemment, sur la tranche, si je mets que des jeux comme ça sur la tranche, on ne saura pas. Il faut vraiment sortir les jaquettes. À moins de parler le japonais. Mais ça, c'est très cool.
Ah, celui-là. Eh ben celui-là, pendant un moment, je le cherchais en solde et je l'avais pas trouvé. Et ça, c'est juste une belle surprise. Tout le carton est une belle surprise, espèce de con. Ouais. Non, mais je veux dire, celui-là, je l'avais cherché en solde. Je l'avais pas trouvé. Et je suis super content. C'est le Legend of Kay. Voilà, anniversaire. Anniversary. Et c'est pareil, c'est un multilingue, il y a le FR. Donc voilà. 10 ans après la sortie originale de Legend of Kay, voici Legend of Kay Anniversary. Ça c'est cool. Ça c'est très chouette. Voilà. Ah punaise, punaise. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est fou surtout. C'est fou. Elle prend une claque en qualité, mais. Oh. Pouah. Allez, on continue. On continue avec un petit jeu de chez Daedalic. Lui, c'est pareil. Tiens, c'est comme l'autre jeu que j'ai présenté en italien et en espagnol. Je pense, hein, c'est de l'espagnol ou c'est pas du portugais, je sais pas. Alors, il s'agit d'un jeu qui s'appelle Sky Hill. Alors, je sais pas s'il sort en français. Alors, bon, il y a le PEGI 16, bien évidemment, parce que c'est une version européenne. Jouable en anglais, c'est écrit ici, playable in English, voilà. Donc, le petit Sky Hill, alors ça c'est... Je sais pas du tout, je pense que... Bon, je verrai ça après au montage, parce que je vais essayer, moi je vais mettre, si vous voyez le, comment ça s'appelle, le gameplay à côté, c'est que je l'ai trouvé, et donc j'ai vu à quoi ça ressemblait. Pour l'instant, je sais pas trop, je sais pas du tout. Mais c'est top. Voilà, c'est top. En tout cas, c'est un jeu en PAL. Ça, c'est cool. Donc, à voir. Oh là là. Oh, mais c'est du français aussi. Oh putain, c'est bon. Je sais pas comment le prononcer, ça. Je sais pas comment le prononcer. Je vais passer pour un con en le présentant. C'est qui fait ça? C'est un pixel art. C'est un pixel art. Alors, j'ai du limited run, j'ai du pixel art, et c'est mes premiers jeux en fait de chez eux, quoi, de ces studios. Et c'est. Je m'étais dit, il faudrait que j'en rentre un jour, mais ça va être peut-être être un peu compliqué. Je regarde parce que j'ai la fenêtre qui est ouverte là-bas et il y a du vent, et je me demandais c'était quoi ce bruit. C'est le vent dans les arbres, tout va bien. C'est Okinawa Rush. Est-ce que ça vous parle? Okinawa Rush de chez Pixel Art. Sous Blister. Alors, Pixel Art, ils ont bien le liseré PlayStation. Ouais, ils ont bien le liseré PlayStation. Et donc, bah, c'est sous Blister. Donc, voilà. Okinawa Rush. Okinawa Rush, incarner un maître des arts martiaux. Héros, Mei Ling ou Shin, dans un combat contre les hordes de ninjas. Guerriers et démons, affronter le clan de la Mante Noire dans une aventure inédite pour la vie et la liberté. Voilà. Et ben ça c'est inespéré. Je veux dire, pour moi, c'est inespéré de rentrer ce genre de jeu. C'est fou. C'est complètement fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On en est déjà à 14 jeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a déjà 21 jeux et il y a encore. Oh, il y a encore plein de trucs en dessous. Il y a encore plein de trucs en dessous. Mais je sais pas, le colis. Enfin, c'est. Oh, alors, ça me fait plaisir, ça me fait rigoler. Ça, j'adore ça. Ça doit être un petit peu coquinou. Je pense que c'est un peu coquinou. C'est un jeu de chez Nice America, français. Donc uniquement sous PlayStation, évidemment sous blister, évidemment parce que tout ce qui me présente, tout ce qui me donne, c'est on va dire à 99% du blister, c'est le Akiba Strip, voilà, Akiba Strip, plongé dans le quartier japonais dédié à la culture manga et jeux vidéo. Le quartier électrique de Tokyo est envahi par les vampires. Rejoignez les Akiba Freedom Fighters, une organisation chargée d'apporter la paix à ces rues illuminées. Et enlevant un vêtement à la fois. Bon,
Ouais, quand je dis que ça va être coquinou, les Japonais, ils sont friands de ce genre de choses. Hein. Voilà. Donc, c'est du FR. C'est du FR de chez Nice America. Ça, c'est pareil. Moi, je vois pas ça. Je vois pas tourner ça. Alors, est-ce que je rate, j'ai raté pas mal de soldes, ce qui est possible. Mais il y a des jeux. Avant qu'ils m'en parlent, avant qu'ils m'ont vite fait les photos et les avoir en main, je connais pas. Je connais pas. C'est fou hein, de se dire ça. Mais je connaissais pas. Voilà. Akiba Strip. Allez, ça c'est un... Alors on continue, on retourne chez Microïds avec ça. À mon avis, c'est les pochettes qui sont vendues chez Action de protection. Et je trouve ça pas mal. Faudrait que j'arrive à en trouver dans mon Action pour protéger mes jeux parce que c'est vrai que ça les protège. Et donc là, on replonge sur du Fort Boyard. Donc ça, par contre, le 1, le premier. Donc bien sûr, ils seront pas l'un à côté de l'autre puisque celui-là s'appelle Fort Boyard. Et l'autre s'appelle Escape Game Fort Boyard, comme je les classe par ordre alphabétique. Mais voilà. Fort Boyard The Game. Voilà. Surmontez les épreuves et emparez-vous du trésor. Voilà. C'est du multilingue. Et la deuxième, c'est le français. Voilà. C'est fou. C'est fou. Ah ça, j'en avais entendu parler de ce jeu-là. Il me semble que j'en avais un, mais je ne sais plus sur quel support. Est-ce que c'est sur PS4? Non, c'est sûr que c'est pas celui-là. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Donc c'est le CD. Le CD contient deux jeux, le jeu plus sa suite. Il s'agit de Overcooked et Overcooked 2. Voilà. Un petit jeu de chez Ghoston Team 17. Donc c'est deux aventures culinaires primées en une. Des petits jeux amusants, voilà. Ça c'est le genre de jeu qui plaira sûrement mon petit garçon quand il aura l'âge d'y jouer. Bon, pour l'instant il n'a pas encore atteint les 2 ans, mais je vais l'introduire dans l'univers du jeu vidéo au fur et à mesure, sans trop l'immerger, parce qu'il faut quand même qu'il reste conscient que la vie que l'on vit n'est pas que sur la télé. Donc il va falloir que je fasse ça à dose homéopathique. Et ça va être très compliqué parce qu'il va se dire papa il se fout de moi, il veut m'apprendre la vie en allant dehors et lui il a des jeux vidéo. Donc voilà, Overcooked et Overcooked 2. C'est pareil, celui-là, je le vois jamais. Je le vois jamais. Alors en VG encore moins, mais il y en a pour combien? C'est ce qui est fou, c'est je me dis, mais il y en a pour combien? Imaginez quand même le nombre de jeux. Le nombre de jeux sous blister qu'ils m'offrent et ils sont neufs. Oh, mais il y a des trucs, c'est. Oh, Alors celui-là, je ne connaissais pas. Et ben ça, c'en est un qui rentre direct. Ah, ça c'est bon, ça, parce que j'en avais un, mais c'est pas celui-là. Dragon Ball Fighter Z. Dragon Ball Fighter Z, je vais y arriver. Le vrai pouvoir n'a aucune limite. Des graphismes fidèles à l'animé, des fonctionnalités en ligne captivantes, des combats en 3 contre 3 époustouflants, un mode histoire basé sur un scénario inédit. Alors on voit bien C18 contre celle déjà ici. Et c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est ultra fort. Franchement, c'est là et ça représente vraiment, on voit bien tous les persos. Y a même le prix, il y a encore le prix dessus. 20 balles. Alors après, peut-être qu'il l'a eu après, est-ce qu'il l'a eu en solde après? Mais voilà, c'est. Enfin, vous imaginez, c'est sous blister, c'est chez un trou du cul qui voudrait les revendre. Voilà, heureusement ça reste dans la collection et je sais ce que je fais. Mais c'est. C'est insane, vraiment c'est insane. Insane. Et c'est pas fini. Là, je vais vous. Là, il y a 3 jeux collector, et après, il y a des choses encore sous papier. Je sais pas, il y a 4 paquets différents. Allez, on continue.
je vais devenir complètement marteau, moi. Regardez ça, ce collector. 1971. Project Helios, édition collector. C'est fou. Je sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Apparemment, c'est de la 3D isométrique aussi. Combat stratégique au tour par tour, exploration et gestion des ressources. C'est dingo. C'est dingo. Alors lui, je vais pas le blister, je vais pas le déblister. On regardera. Je l'aurais vu avant vous, mais le gameplay. Fear the cold. The world froze. Recently, there was no sunlight anymore. No feel, no heat. Alors bon, apparemment, il y a eu une extinction du soleil et le froid a envahi la terre. D'après ce que j'arrive à comprendre de l'anglais, hein. Fear the cold et peur de du froid. Craignez le froid plutôt. Vraiment, cette tranche-là, il est mint. C'est mint, c'est normal, mais il a pas pris un shoot sous son blister. Oh, et celui-là, il est lourd. Il est lourd et il est complet sous blister. Rendez-vous en édition. Letter. Regardez-moi ce coffret. Regardez-moi ce coffret. Enquêtez sur le mystère rôdant autour de votre ancien ami, apparemment impliqué dans un meurtre. Parcourez sa ville natale à la recherche d'indices et interrogez ses anciens amis pour en apprendre plus. Alors celui-là, j'en avais entendu parler de ce jeu-là, mais je ne me l'étais jamais procuré. Hein. Et c'est Kadokawa Games et P-Cube. Je sais pas si je le prononce bien, je vais passer pour un gland si en non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est possible. Voilà. Letter en Day One Edition. Regardez-moi ce collector. C'est dingue. C'est dingue. Celui-là, c'est pas le moins dingue. Alors celui-là, je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dedans. Alors, c'est Serenity Forge et Tetsura Games. Et c'est Never Songs en Collector's Edition. Voilà. Le Collector's Edition. Alors, qui comprend normalement le jeu. Alors, il y a un PEGI 7. Et ils disent de faire attention. Alors, il est jouable en anglais. Et c'est écrit en anglais derrière. Par contre, on a bien le petit attention, machin, chez certaines personnes. Mais voilà. Et donc, voilà. Et dedans, alors lui, il est ouvert. Alors, il a déjà été un peu plié. C'est le problème de ce genre de pochette cartonnée. Pas les abîmer. Et dedans. Oh là là, regardez. Un pin's. Je me fais surprendre par les cadeaux qu'il y a dedans. Vous aviez ce petit pin's là. Vous aviez les petites cartes comme ça qui sont toujours blistées. Vous aviez donc le jeu en lui-même, regardez-moi ça. Et on peut, regardez, on peut le jouer en français. C'est écrit en français la troisième langue. Un petit garçon perdu dans son coma. Oh, ça, c'est puissant, ça. En sortant de son coma, Pete découvre que sa sœur est introuvable. Enquêtez sur les cris qui émanent du cœur de Sansbois. Sansbois. Sur les agissements toujours plus bizarres des adultes zombies et sur l'étrange vérité du passé de Pete dans cette fable hantée à l'allure de rêve. Voilà. Oh, mais c'est rien que l'histoire, c'est cherché quoi. Vous aviez la soundtrack, elle est dedans. Vous voyez, il y a le CD. Oh, ben, le CD, il est juste magnifique aussi, hein. Regardez. Il est juste fou. Vous aviez carrément la partition. Et vous aviez un poster. Alors est-ce que c'est un poster réversible? Non, c'est pas un poster réversible, mais c'est un poster du jeu. Neversong. C'est. Oh là 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 là, mais pourquoi tu fais ça? Mathieu,
C'est juste magique. C'est juste magique. Celui-là, il doit être trop beau à faire, mais c'est pareil, le jeu, il est sous blister. C'est juste le blister du pack qui a été retiré. C'est... Oh. Regardez-moi ça. C'est dingue, c'est dingue. Et là, donc, je vous ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 jeux. 21 jeux, la vidéo fait déjà presque 35 minutes. Et il y a encore ces petits paquets-là. Vous voyez, c'est empaqueté. Il y a plusieurs jeux dans chaque. Regardez ça. Oh là là, mais c'est quoi cet unboxing de fou? Je suis limite d'en trembler tellement c'est... Ça continue avec la PS4, bien évidemment. Je ne vois pas, là, vous voyez, il y a encore... Là, je vois pas, là, il y a trois jeux. Il y a trois jeux. Encore un jeu Nice America. Ah ouais, ah d'accord. Ah oui, ok. Oh mais non. Ok, donc des jeux Nice America. On va faire deux jeux Nice America. Là. Je vous les présente tout de suite. Il s'agit de The Silver Case. Silver Case. En 1939, une série de meurtres mystérieux secoue la ville de 24 Wards. Les inspecteurs de la police criminelle de 24 Wards ont un suspect. Kamui Uehara, un tueur en série légendaire, auteur de plusieurs assassinats d'officiels 20 ans auparavant, lors de la célèbre affaire du Silver Case. Mais personne ne connaît la véritable identité de Kamui. Est-il vraiment de retour? Qui est ce terrifiant tueur en série? Voilà, un jeu Nice America. Celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais ça a l'air puissant. Franchement, puissant. Avec 99, Kill the Past. C'est... Ça, on est loin des petits jeux enfantins. Là, c'est juste une folie. C'est juste une folie parce que non seulement il m'offre The Silver Case, mais il y a The Silver Case, le 25e Ward. Voilà, plongé dans le monde fascinant de celui à 51 avec The 25e Ward. The Silver Case. Je suis sans voix en fait. Je suis sans voix parce que. Si j'avais dû me les procurer en les achetant, combien j'aurais dû dépenser pour tout ça, et combien de temps ça m'aurait pris surtout. Pour les trouver. Rien que pour les trouver. C'est... Dans le genre, je sais pas où me mettre, là t'as fait fort, mec. Oh, oh là là. Et là, on continue. On continue. Et là, il est... Quoi? C'est un Peggy 18 qui a Peggy. C'est écrit tout en anglais derrière. Mais il m'a dit que normalement tous les jeux étaient jouables en français. Et on continue donc avec la série des Dead Rising, avec le Dead Rising 4. Frank's Big Package. Voilà. De chez Capcom, bien évidemment. Regardez ça. Donc, tout est écrit en anglais derrière. Il y a Peggy 18, mais... Il m'a dit que c'était possible de le jouer en français. Enfin, on pouvait jouer avec certains jeux en français. Voilà. Donc, du Dead Rising, là, maintenant. Je pense que ça a dû te faire rigoler quand tu m'as vu rentrer l'autre jeu sur la 360. Je pense que ça a vraiment dû te faire rigoler. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon. Premier paquet. Encore un paquet, là. Et il y en a encore deux autres après celui-là. Paquet de trois jeux. Voilà, trois jeux PS. Oh, hop, 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 hop. Je ne veux pas vous spoiler et me spoiler. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Allez. Oh. Alors ça, c'est... Oh. Ah, celui-là, je l'ai. C'est celui-là, j'ai même. Ah, bon. Alors, ça, par contre, j'avais pas ça. Alors ça, on dirait que c'est du reblisté.
Mais c'est du blister, hein, c'est sous blister. C'est Nitro plus Blasters, Héroïne Infinite Duel. Regardez ça. Regardez comme elles sont mignonnes. Hein, ça, je suis sûr que c'est le genre de jaquette qui plaît à Discovery Games. Hein, Fabien? Tu aimes bien ce genre de jaquette, et moi aussi d'ailleurs, hein, on serait fou de pas aimer. Regardez-moi, c'est juste magnifique. C'est superbe. Franchement, c'est superbe. Alors, le succès d'arcade japonais en version 2D ultra fluide, plus de 32 personnages tirés de l'univers des visual novels et des mangas. Regardez ça, on voit un peu le. De toute façon, vous voyez le gameplay à côté. Héroïne Infinite Duel. Punaise. Punaise, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Fou. Ouh, 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 ouh. Ah, il y a écrit Only on PlayStation. Ça, c'est bon, ça. Digirati Merge. On peut l'upgrader en PS5. C'est écrit en anglais et écrit en français aussi. C'est du multilingue. Il s'agit de Severed Steel. Voilà. Une combattante singulière, combat éblouissant, une IA dynamique. Et ben ça, est-ce que c'est un FPS? On dirait un petit peu un FPS. Je connais pas du tout. Ouais. Je sais pas si vous connaissez, vous. Mais ce jeu-là, je ne le connaissais pas. J'ai dû le dire 45 fois dans la vidéo. Le petit dernier, lui, par contre, était un peu plus classique. C'est fou de me l'offrir aussi. Normalement, celui-là, je vais quand même aller vérifier. Il s'agit de Harry Potter, donc Lego Harry Potter, la collection, donc année de 1 à 4 et de 5 à 7. Ça, c'est fou quand même. C'est fou. Sous blister. Alors, normalement, je dois l'avoir. Alors, je sais que je l'ai sur la Switch. Le Lego Harry Potter. Il est là. Voilà. Le mien est donc déblisté. Par contre, le mien, il avait un. C'est juste le boîtier. Le mien, il avait le boîtier qui était un petit peu frottouillé. Je vais récupérer ça sûrement en VG. Donc là, je le récupère en blisté. Du coup, je vais garder le blisté et l'autre va partir sûrement à l'échange. Parce que celui-là est juste. Forcément, il a pas un pet. Et comme je le joue déjà sur, comme je joue déjà sur la Switch, j'ai pas besoin de m'ouvrir. D'ouvrir la version PS4. Il reste 1 et 2. Allez. C'est un truc de fou. Ces deux jeux, je vais vous montrer par la tranche. Tac. Oh là là, c'est bon ça. Ah oui, c'est celui-là dont j'avais des réminiscences de la jaquette. Voilà. Alors. On va tout de suite commencer le premier par un jeu de chez The Game and Bakers. C'est Haven. Haven sur PS4. Là, c'est écrit tout en anglais derrière. Bon, souvent c'est un jeu de, c'est quoi? C'est un jeu de combat. Je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout Haven. Regardez derrière. De toute façon, vous aurez, j'espère, trouver le gameplay pour vous le montrer à côté. Et c'est fou. Et c'est marrant, hein, les jeux import, ils ont un truc comme ça, c'est écrit en haut. C'était écrit déjà sur le Doom de chez Limited Run. Et il n'y avait pas un autre jeu où c'était écrit comme ça? Ah non, c'est sur le jeu japonais, c'est différent en bas. Voilà. Donc Haven. La jaquette, elle est juste superbe, sublime. En parlant de jaquette sublime, Sakuna The Ruin, non, Sakuna of Rice and Ruins. Ah, le riz, c'est le pouvoir. Apprivoiser l'île des démons, oui, l'île des démons, dans la peau de Sakuna, la déesse
de la moisson exilée, combattez les monstres et redonnez aux champs leur gloire d'antan dans ce mélange étonnant de jeux de plateforme extrême et de simulation agricole. Donc là, c'est un mélange des genres, mais celui-là, alors le studio, c'est Marvelous. Voilà, Sakuna. Ces jaquettes-là, elles sont juste trop trop belles. Ça, je suis dingue de rentrer ça, dingue de rentrer ça. Mais il y en a combien des jeux? C'est ouf, c'est ouf. Il reste deux jeux. La tranche, elle est là. Et là, il s'agit de. Mais c'est pas possible. Un petit jeu de chez Annapurna Interactive. Annapurna Interactive. Alors j'aimerais bien le. C'est Sayonara Wild Hearts. Ah là, le jeu se balade. Sayonara Wild Hearts. Regardez-moi ça. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce jeu-là. Devenez The Fool et progressez à travers un rêve aux allures de jeu d'arcade en brisant des cœurs sur votre moto à 300 km à l'heure. Foncez dans des battles de danse et visez le meilleur score lors des duels de laser au laser et à l'épée. Et que ça pop. Ça a l'air complètement fou ce jeu. D'un jeu de chez Annapurna Interactive. Voilà. Est-ce que vous connaissiez ce jeu-là? Ça m'intéresserait de savoir tout ça. Et le dernier, Kotodama, The Seven Mysteries of Fujisawa, de chez PQB. Je sais pas si je prononce bien le nom du truc. Voilà. Regardez ces jaquettes à la manga qui font vraiment plaisir. C'est du multilangue. Et c'est du multilangue. Il y a le FR en deuxième langue. Là, l'histoire. Everybody has a secret, everybody has a dark side. Bienvenue à l'académie Fujisawa, où chaque élève dissimule un sombre secret. Trouvez des indices et affrontez vos amis lors des casse-têtes passionnants pour révéler la vérité. Voilà. Koto-sama, non, Kotodama, pardon, The Seven Mysteries of Fujisawa. Voilà, c'est un truc. C'est un truc de marteau. Je sais pas. Quand je vous dis que je suis gêné, moi, je suis gêné. Comment est-ce que vous voulez que je me dis, mais j'ai une responsabilité envers vous, en fait. J'ai une responsabilité envers quand on me donne ce genre de cadeau. J'espère que je vous trahirai jamais. Parce que c'est juste fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 jeux. Là, il y a 31 jeux. Un cadeau de 31 jeux. Il va y en avoir 3 ou 4 qui ne sont pas blistés, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, parce que celui-là, c'est un truc. 5. 6. Voilà. 31 jeux, 6 non blistés, tout le reste en blisté. Et il y a des jeux qui sont. Je trouverai jamais. Si, j'aurais jamais trouvé sinon. Avec des collectors et tout ça. Non mais c'est barge. C'est barge. Regardez. Je vais vous les mettre. Je vais les prendre comme ça. En essayant de ne pas les foutre par terre. Parce que c'est vrai que j'ai pas les mains non plus qui sont formidables, formidables. Regardez-moi cette pile de jeux que Mathieu m'a offert. Regardez-moi ça. Tout ça. Tout ça, c'est fou quand même. Je vais faire une connerie hein, si ça continue. Non. Hop. Sans voix, je suis sans voix, c'est adorable, c'est adorable, mais je sais pas où me mettre, je sais pas où me mettre, Mathieu,
C'est adorable, c'est fou, je suis heureux de te faire une vidéo juste pour toi. Mais là, c'est... Oh! C'est marteau. C'est marteau. Là, la collection, elle prend tellement. Je vais passer la barre des 200 jeux grâce à toi. J'avais 170 jeux. Là, j'en ai plus de 100, plus de 30. Ils ont des trucs, mais des trucs jamais je... Des collectors. Il y a trois collectors, plus des jeux des studios indépendants. Il y a du pixel art, il y a de... Waouh! C'est fou. C'est fou. Limited Run, pixel art. Ouais, certains jeux Nice America qui sont... voilà. Là, tu m'as scié les pattes, là. Franchement, tu m'as scié les pattes. Je te remercie. J'ai l'impression d'être ridicule à dire je te remercie tellement tellement c'est généreux et tellement c'est petit le dire merci. T'es un mec... T'es hors norme. Franchement, t'es hors norme. Oh là 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 là. Ah, c'est dommage que t'aies pas de chaîne parce que sinon j'aurais conseillé à tout le monde d'aller s'abonner à ta chaîne. En tout cas, les gars, les gars, les filles, hein, bien sûr, puisque vous êtes aussi des filles à regarder mes vidéos, même si vous êtes beaucoup moins nombreuses, c'est ce qui est logique. Allez voir la vidéo qui avait été tournée par Sully Soljen concernant Mathieu. Concernant Mathieu, je vous jure que c'est que déjà vous allez halluciner. Parce qu'il s'y connaît vraiment, c'est vraiment un joueur. Hein. Lui, il n'est pas que comme moi. Moi, je collectionne beaucoup, hein. Je collectionne beaucoup, mais pour la plupart des jeux, soit j'en ai juste entendu parler, soit je les ai peut-être testé vite fait à un moment. Mais lui, c'est un jeu, il prend un jeu, il le termine, il passe à un autre jeu pour le poncer. C'est vraiment le spécialiste de la PS4, Mathieu. Écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin, parce que je ne saurais même pas comment la terminer, tellement je suis sur le cul. Heureusement que je suis assis parce que sinon je serais tombé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez les coms, lâchez les pouces bleus. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si jamais ça vous a intéressé, ces petites vidéos que je fais, enfin, petites vidéos déjà, j'en suis à 52 minutes. Tout va très bien. Je fais toujours des vidéos, elles durent une plombe. Et voilà quoi. Excusez-moi, je regarde pas la caméra, je regarde la pile la double pile que je me suis fait sous le téléphone qui filme là. Prenez soin de vous. Je vous dis à très très bientôt. On va passer bientôt à la collection. J'essaie de revenir à mes idées pour finir la vidéo. Ouais, la prochaine vidéo, ça sera sur la collection 3DS. On va faire la revue de tous mes jeux et consoles que j'ai sur le support de la 3DS. Et après, on repassera à des vidéos tuto. Mais là, c'est dingue. C'est dingue. Merci, merci Mathieu. Merci mille fois. J'espère que j'aurai assez bien parlé de ta collection. Voilà, je conseille à tout le monde d'aller voir cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous dis à très, très bientôt. Allez, ciao.